très grand palmarès, notamment dans ses CSI 2 et 3 étoiles. L'an dernier, il avait remporté celui de Massongis, CSI 2 étoiles l'année dernière, avec son fidèle Wessant Perret. Là, il a choisi de sceller Vancouver, quatrième du nom, cheval allemand. Et puis Philippe, avec Wessant Perret, dont je vous parlais tout à l'heure, il s'était adjugé la victoire du Grand Prix Longines de Grand Montana, aussi un CSI 3 étoiles, mais dans une autre vallée ici en Valais, il y a 3 semaines de cela. C'est un nouveau couple, hein. Je crois qu'ils sont depuis peu de temps ensemble, dans Vancouver et Philippe Utala. Vancouver, vous l'avez vu peut-être dans d'autres concours sous la selle de François Vorp. Il a rejoint les écuries JP Horse pour Jesse et Philippe Butala du côté de Chavannes de Bogie, début du canton de Vaud. Il nous l'avait commenté ce parcours en direct pour le public qui était ici à Verbier, Philippe, et il avait dit c'est un très joli parcours, c'est un parcours du niveau, c'est un parcours exigeant, mais c'est un parcours très très fluide qui peut faire un peu défaut de partout. Il faut se méfier un peu de tous les obstacles. Il y a des obstacles larges, il y a des obstacles hauts. Et bien, on en voit le résultat, c'est malheureusement 12 points qui pénalisent le cavalier d'origine, d'ailleurs valaisanne, basé à Chavannes, on vous l'a dit maintenant, qui montait Vancouver. Les couleurs de l'Irlande, maintenant qui devrait nous rejoindre. Pendant ce temps que vous suivez les ralentis.